Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode sur FF14 afin de d'affronter Yojimbo tout simplement. Entendu, on évite les AE, ça ne change pas. Et ensuite, Yojimbo se transforme, enfin, enlève son déguisement et se transforme en Gilgamesh. J'avoue que je suis un peu déçu. J'aurais préféré que Yojimbo et Gilgamesh restent deux personnages bien différents. Mais ce ne sera pas le cas, malheureusement. On évite les attaques en ligne, bien entendu, ça ne change pas. Ensuite, tout le monde gagne une AOE, puis une AOE hors de nuts. Donc, restez bien à l'endroit. On se pack afin d'éviter d'avoir le debuff de Mini qui s'ensuit. Par exemple, le temps cuir est de son côté, donc il est devenu Mini. Bien entendu, on évite bien les têtes de lion. Ou de dragon plutôt, de dragon. Qui fonce en ligne droite. Dès qu'elles disparaissent, elles font une zone d'AE sur tout le monde, donc bien penser à remonter les personnes qui pourraient potentiellement être bas en vie. Bien faire attention qu'on a de nouveau les zones d'AE après. Vous prendre une zone, hein. Plus ça devient dangereux. On évite bien entendu de rester trop près quand on dispose des zones de proximité. Et ensuite, on doit éliminer les doublures de Gilgamesh avant que le pouvoir suprême n'atteigne 100% tout simplement. Hein. Ça ne change pas de d'habitude. Parfait. Ensuite, Gilgamesh s'amuse à faire à la Susanoo. À coup d'épée. On évite bien entendu de nouveau la zone d'AOE de proximité. Hein. Plus il y aura de personnes proches, plus il y aura de dégâts. Bien faire attention qu'ici, il y a une seule zone save. Qui à première vue est tout près du boss. Ouais. Quatre joueurs vont être ciblés par les chaînes au lieu de une lors du précédent combat de Gilgamesh. Bien les éliminer les chaînes, sinon les joueurs qui sont dedans vont mourir tout simplement. Comme le tank. Alors ça c'est une technique bien ennuyante pour moi vu que je n'ai plus rien.
la technique qui met tout le monde à PV. Bien éviter d'abord la première zone au milieu, puis s'y placer afin d'éviter les zones de... qui sont sur les côtés. Comme tout à l'heure, on évite les têtes de dragon. On évite bien entendu les boules. Et on continue le combat comme tout à l'heure. On évite l'ensemble des zones et des avoirs. On se pack afin d'éviter le buff mini. Et on termine le gamish. Tout juste. Si j'avais pas de position, ça aurait été dur. Comme je disais, on évite la zone d'AE. Hein. Et une fois qu'elle est lancée, on s'y place. Et pas comme moi où j'étais vraiment trop vite dedans. Parfait. Brise l'âme le retour. Voilà, j'espère que le combat vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en toute la vidéo, à vous abonner, à laisser un commentaire. On se retrouvera bien entendu pour la suite de l'aventure afin de clôturer sûrement les aventures d'Elden Ring pour l'extension de Stormblood. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!